Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes cheveux parce que j'ai une routine naturelle, tout ça, qui entretient plutôt bien mes cheveux depuis pas mal d'années maintenant. Cela dit, j'ai eu un petit problème capillaire ces derniers temps, j'ai perdu énormément de cheveux dû au stress, au surmenage et à une mauvaise alimentation car je mangeais beaucoup de fruits et de légumes et notamment cru, je variais beaucoup mon alimentation et depuis quelques temps, mais suffisamment longtemps, je mangeais un peu tous les jours la même chose parce que j'étais dans une routine et par facilité et manque de temps, je me suis pas trop concentrée sur mon alimentation et ça a fait de gros dégâts. Plus un peu de soleil qui ont beaucoup abîmé mes cheveux aussi par-dessus. C'était le combo gagnant. Et donc, j'ai voulu vous parler de mes astuces pour prendre soin de ces cheveux, pour les réparer, même si, bon, on dit que on peut pas vraiment réparer un cheveu, mais on peut quand même en prendre soin et de manière tout à fait naturelle, bien sûr. Donc déjà, j'ai fait quand même un petit rafraîchissement. J'avais les cheveux très longs. Ils sont toujours très très longs. Mais je les ai quand même coupés un petit peu. Juste pour couper un peu les pointes. Pas beaucoup parce que je tiens à ma longueur, j'avoue. Et je pense pas que ce soit absolument nécessaire de tout couper pour retrouver des beaux cheveux. Rassurez-vous. Alors déjà, j'ai rééquilibré mon sommeil et mon alimentation. J'ai mangé beaucoup plus de fruits et de légumes et je fais plus attention à moi de manière générale. Ensuite, évidemment, je n'utilise toujours pas de produits chimiques, mais étant donné que pendant le confinement, je n'étais pas chez moi et voilà, j'avais pas mes shampoings habituels. Du coup, j'ai aussi utilisé des produits chimiques qui ont beaucoup abîmé mes cheveux, mais si vous voulez vraiment prendre soin de vos cheveux et de la planète en passant, eh bien, je vous recommande d'utiliser des shampoings solides. Alors, j'en utilise principalement un que je vais vous montrer. C'est celui-ci. Pour moi
je l'utilise, voilà, une fois toutes les 2 semaines, par exemple, en soin, et ça lave très bien les cheveux. Je l'utilise pas à chaque fois quand même. Cette coiffure protectrice. Donc vous pourrez aller voir.
magique, l'huile de coco, surtout pour réparer ses cheveux après exposition au soleil. Ensuite, comme soin, j'ai aussi cette poudre qui permet de favoriser la pousse des cheveux. Je coupe un bout comme ça et je gratte le gel
J'avais à vous montrer pour aujourd'hui.
ce petit moment vous a appris des choses et vous a détendu. Je